Alors bonjour, je m'appelle Lise Stoufflet, je suis artiste peintre essentiellement. J'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris il y a quelques années. Et là, je suis en résidence aux ateliers du Plessis-Madoc depuis septembre 2020. Je développe un travail de peinture et de dessin essentiellement. Et j'ai profité de la résidence pour avoir un temps de réflexion et de recherche un peu différent. Parce que j'ai un travail assez onirique et qui travaille l'imaginaire, mais je m'inspire aussi beaucoup de l'environnement qui m'entoure, notamment des paysages que je peux voir, des histoires qui se racontent ou des événements qui se produisent. Donc pour moi, ça a été quand même un grand intérêt de m'éloigner un peu de mon quotidien et de l'ambiance parisienne habituelle pour me retrouver ici quelques mois à Saint-Jacques. Voilà, donc j'ai développé ici un travail du coup de peinture à l'huile et aussi une série de gouaches sur papier. Je m'intéresse aussi au débordement de l'image. Par exemple, là, dans la série de gouaches que j'ai pu faire, j'ai aussi eu à cœur de travailler le cadre pour un peu casser la frontière entre la fiction et le réel. L'image s'échappe un petit peu de son cadre. C'est un travail que je peux avoir quand j'expose mes peintures, où il m'arrive d'intervenir directement sur le mur ou avec des objets qui répondent aux peintures. Ces images, elles sont d'abord recherchées via des carnets croquis et développées comme ça, d'abord en petit format, en dessin notamment, en gouache, et puis après sur des plus grands formats. Il y a une espèce de développement comme ça qui part du plus petit au plus grand. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que chacun peut projeter dans les peintures en s'attachant aux détails. Ils peuvent aussi rajouter leur propre histoire et voilà, construire une narration qui est propre au spectateur.